aimé la fin de Cartoon et aujourd'hui je vous invite à continuer notre voyage en Afrique, mais cette fois, accompagnez-moi dans la jungle africaine afin de rechercher les théories sur le roi de la jungle, Tarzan. Peut-être connaissez-vous le vrai nom de Tarzan. Avant d'être baptisé ainsi par Kala, notre cher britannique d'origine se nommait John Clayton III. Oui, oui, Clayton. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr. Ce nom vous dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est également le nom du chasseur qui veut capturer les gorilles. Une simple coïncidence? Ce serait un peu trop simple quand même. Surtout que Disney ne fait jamais rien au hasard. Bien que le vrai nom de Tarzan ne soit pas mentionné dans le film, les passionnés auront tous fait le rapprochement entre les deux noms. Certains diront que Disney a juste été atteint de flémardite aiguë et qu'il a donné le vrai nom de Tarzan à Clayton, étant donné que notre homme singe ne se rappelle plus de son passé britannique. Mais d'autres, et ça me semble probable, vous diront que le héros et le vilain ont le même nom car ils sont de la même famille. Revenons au début du film. Un couple de Britanniques se retrouvent perdus dans la jungle avec leur bébé et finissent dévorés par un léopard nommé Sabor, laissant leur enfant orphelin. Une femelle gorille récupère alors le petit garçon, l'adopte, le nommant Tarzan. Quant à Clayton, il s'agit d'un chasseur britannique qui vient soi-disant pour guider et escorter le professeur Porter et sa fille Jane, alors qu'en vérité, il cherche les gorilles afin de tous les capturer pour les vendre au marché noir. En apparence, rien ne lie ces deux hommes, à part leurs origines britanniques. Leurs caractères sont complètement différents. Un est sauvage, l'autre est civilisé. Et il n'y a aucune ressemblance physique. Mais on n'a jamais dit que Clayton, qui est soit dit en passant plus vieux que Tarzan, était le frère de ce dernier. Ils sont tous deux britanniques d'origine et portent le même nom de famille. S'ils ne sont pas frères, ils sont cousins. Je vois qu'on a besoin de mes services. C'est pas trop tôt. Je voyais vous enfoncer dans le sujet sans vous intéresser à la généalogie du héros et du vilain. Comment voulez-vous comprendre la généalogie? Ouais, pardon. Mais il fallait que je mette les choses au clair avant. Ah oui, tu es très éclairci à ce que je vois. Enfin bref. Comme dit précédemment, nos deux ennemis se nomment John Clayton. Tarzan ayant même le nombre 3, désignant qu'il doit être le troisième du nom. Pourquoi troisième? Observons l'arbre généalogique de ces deux personnages. Le jeune Clayton, premier du nom, est le père de Tarzan. John Clayton, marié à Alice Greystone. Le deuxième, me direz-vous? Notre chasseur se nomme également John Clayton. Le père de Tarzan n'était sûrement pas fils unique. Le père de Clayton devait être le frère cadet ou aîné, ça c'est à vous de voir, John Clayton premier. Et comme les Britanniques de la haute société sont très imaginatifs au niveau des noms, à moins qu'ils soient simplement atteints de feignantise, le père du chasseur a nommé son fils John Clayton II, et Tarzan, le dernier-né, fut originalement nommé John Clayton III, avant de devenir Tarzan, fils de Kala et Kerchak. John Clayton II est simplement devenu John Clayton à la mort de son oncle et de son cousin. Voilà, merci beaucoup la généalogiste. Ouf, heureusement que je l'ai pas appelé pour le roi lion, la vidéo va durer 2 heures. Étrange quand même cette famille brisée qui se retrouve et se brise à nouveau. Tout ça dans un seul film et en très peu de temps. Mais hélas, les histoires de famille qui tournent mal, c'est pas ce qui manque. Clayton aurait pu être un simple explorateur qui retrouve son cousin perdu au hasard d'un voyage. Mais il se trouve être un beau qui ne pense que se remplir les poches. Franchement, quand on voit ça, on se demande... L'homme est-il un monstre ou le monstre un homme? Chose de faite. Oublions la théorie précédente pour nous plonger dans une autre plus appuyée par Disney. Comme nous le savons tous, Tarzan est un enfant d'occidentaux, orphelin suite à la mort brutale de ses parents, qui est adopté par une Kala, une femelle gorille en manque d'enfants. Mais saviez-vous que depuis peu, Chris Buck, co-réalisateur de La Reine des Neiges, a confirmé aux fans un lien entre le plus gros succès Disney du moment et la légende du plus célèbre homme singe, Tarzan serait le fils du roi et de la reine d'Arendelle. Rappelez-vous,
Dans La Reine des Neiges, les parents d'Elsa et Anna disparaissent en mer lors d'un naufrage. Oui, oui, je dis bien disparaître. Il n'y a rien qui prouve qu'ils soient morts dans ce naufrage. Leurs corps n'ont visiblement pas été retrouvés. Vous me direz, c'est vrai qu'à l'époque, les moyens de recherche des disparus n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais la production Disney aurait déclaré qu'ils ne seraient pas morts dans ce naufrage. Ils auraient survécu et auraient dérivé sur l'océan à bord d'un bateau. La même chose est arrivée aux parents de Tarzan, et on peut voir que les deux couples de parents se ressemblent beaucoup. Le hic, c'est que dans Tarzan, le bébé est là au moment du naufrage. Pour que la scène puisse se produire, il faudrait que la reine ait accouché sur le bateau, juste avant le naufrage. Donc, qu'elle soit enceinte en quittant Arendelle. Or, elle n'en a absolument pas l'air. Et, à moins qu'elle ne soit qu'au début de sa grossesse en quittant le royaume, et que le voyage en bateau ait duré plus de 9 mois, Tarzan n'a pas pu naître lors du naufrage, qu'on voit dans La Reine des Neiges. Alors comment peut-il être le frère d'Elsa et Anna? Pour moi, pour que Tarzan puisse être le bébé des souverains perdus d'Arendelle, les événements ont dû se passer ainsi. Premièrement, le bateau du roi et de la reine a coulé comme dans La Reine des Neiges. Mais ils auraient survécu et auraient défilé au fil du courant. Les souverains, déclarés morts et sûrement gravement blessés, ont été sauvés par une population, sûrement britannique, d'où le style britannique qu'ils ont au début de Tarzan. Et ils ont vécu là jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de repartir. La reine est certainement tombée enceinte à ce moment-là. Mais alors, pourquoi n'ont-ils pas prévenu Arendelle qu'ils étaient vivants? Déjà, les lettres n'arrivent pas aussi rapidement qu'aujourd'hui. Et il est possible qu'ils aient souffert d'amnésie après le naufrage. Cela expliquerait pourquoi ils n'ont pas essayé de rassurer leur fille, surtout Elsa, connaissant ses pouvoirs. Après avoir été soignés, et sûrement après qu'ils aient retrouvé la mémoire, les souverains sont repartis de toute urgence, peut-être à la fin de la grossesse de la reine. Dans ce cas, Tarzan serait né en pleine mer, soit après l'accouchement de cette dernière. Ne voulant pas dépendre de quelqu'un, ils sont peut-être partis sans prévenir sur un petit bateau. Mais comment sont-ils arrivés en Afrique, alors que le royaume d'Arendelle est apparemment quelque part près de la Norvège? Un roi, c'est pas un marin. Il ne connaît pas les océans, et son épouse devait soit éviter de s'épuiser avant l'accouchement, soit elle devait s'occuper de leur bébé. Donc le roi a dû se débrouiller seul. Et il s'est perdu. Lorsqu'ils sont arrivés près de l'Afrique, le bateau a été à nouveau pris dans une tempête, et, sûrement à cause d'un éclair qui a frappé le mât, le bateau a pris feu, forçant le roi et la reine à fuir à bord d'un canot avec leur fils. Et ils se sont retrouvés dans la jungle, où se déroule l'action de Tarzan. Pour la suite, on sait tous comment terminent les parents de Tarzan. Cette théorie montre donc que Tarzan aurait dû être le prince héritier d'Arendelle et devenir roi à la place d'Elsa. Mais suite à un destin malheureux, il a été élevé dans la jungle par des gorilles. Enfin, c'est pas une très grande perte pour Disney, car grâce à tous ces hasards, on a droit à un roi de la jungle, une reine des neiges et une princesse aventureuse. Quoique, ce serait marrant qu'un jour Disney décide de permettre aux frères de rencontrer ses sœurs aînées. Oh, peut-être même que c'est ça le scénario de La Reine des Neiges 2. Ouh, là, ce serait intéressant. On parle beaucoup de royauté si on s'intéresse à Tarzan. Il est déjà roi de la jungle, et d'après les réalisateurs Disney, il aurait dû devenir roi d'Arendelle. Mais si on s'intéresse à Jane, vous ne voyez pas une ressemblance avec un autre couple royal? Regardez bien Jane. Toujours pas? Regardez ce couple-là. Une théorie courante sur Internet est que Jane serait une descendante de Belle, et donc d'Adam la Bête. Et franchement, il y a beaucoup de détails qui vont vers cette direction. Regardez, les physiques sont assez proches. Jane a les petits yeux ronds et bleus de la Bête, une coiffure et une couleur de cheveux assez proches de celle de Belle, un nez qui ressemble beaucoup à celui de Belle, une petite bouche rose et fine comme celle de Belle, etc. etc. Les deux femmes semblent adorer les longues robes. Elles portent toutes les deux des gants. Elles ont une passion pour les livres, une passion qui leur permet de se lier avec l'être aimé, et elles ont un amour assez évident pour les hommes un peu sauvages. Jane parviendrait justement à comprendre Tarzan malgré son langage bestial, parce que sa grand-mère a réussi à comprendre la bête. De même, ce lien de parenté pour expliquer cette image. Après tout, pourquoi Jane et son père auraient un service à thé aussi semblable à Zip et à Madame Samovar? C'est simplement un service à thé qui était dans le château de la bête avant la malédiction. Miss Samovar et ses enfants ont pris la forme de ce service lorsqu'Adam a été transformé en bête. Et après que Belle ait sauvé tout le monde, le service est resté dans la famille. La famille de Jane est donc une famille descendante de celle de Belle et Adam, et ils ont hérité du service à thé. Mais alors Monsieur Porter est un
Un descendant de Belladin? Non. Même si ses yeux sont assez semblables à ceux de Jane, cela ne permet pas d'expliquer comment une Britannique puisse avoir des grands-parents français et un nom anglais. Non, 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 non. Non, pas besoin de la généalogiste pour expliquer ça, merci. Archibald Porter est un sujet de Sa Majesté, depuis toujours, alors que la mère de Jane serait la fille de Belle et Adam, qui aurait sûrement quitté la France pour une raison X ou Y. Après, ça, il faut regarder dans l'histoire, on trouvera bien quelque chose pour expliquer pourquoi elle a quitté la France. Notre cher professeur aurait peut-être même de la famille en Allemagne, plus précisément à Vicieton. Vicieton ! Oh, moi j'aurais mieux expliqué. On aurait donc au final deux jeunes gens originaires de familles royales qui ont préféré quitter le confort civilisé pour la jungle. Et ça veut dire qu'on a une princesse Disney en plus. Et pas simplement parce qu'elle a épousé le roi de la jungle. Chers amis, j'espère que ces théories vous auront plu, que grâce à elles, Tarzan n'aura plus de secrets pour vous. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu pour Prince et Princesse, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. J'espère également que vous vous portez bien, je vous souhaite une bonne journée, et surtout, continuez de rêver. Bisous!